J'ai commencé la taille de pierre parce que j'aimais les beaux bâtiments, le savoir-faire ancien. Et quand tu, avant de poser ton caillou, déjà, tu vas enlever l'ancienne pierre. Quand tu vas enlever l'ancienne pierre, tu vois les traces d'outils des gens qui sont passés avant toi et qui ont taillé le caillou. Là, là, il y a une émotion qui monte, c'est sûr. Donc, tu arrives à décrypter l'outil qui a été utilisé ou alors trouver un signe de tâcheron, quelque chose qui personnalise le caillou. Ça, c'est déjà assez émouvant. Ensuite, quand toi, tu vas y mettre ta pierre, bon, c'est ridicule par rapport à la masse de pierres qui ont été taillées ici. Mais bon, tu agis pour la soigner, si tu veux. C'est plus médicamenteux qu'autre chose. Tu ne construis pas l'édifice, tu fais que réparer. En plein cœur de Narbonne, sur un magnifique édifice gothique qui est la cathédrale de Narbonne. Donc voilà, on est là pour lui redonner sa dignité. Je suis engagée comme tailleur de pierre, donc censé tailler la pierre, mais le tailleur de pierre sur le chantier, il ne fait pas que de la taille. Il fait aussi beaucoup de poses, du ravalement et puis d'autres tâches annexes qu'il faut savoir faire, comme la maçonnerie, le badigeon, etc. Il y a pas mal de choses à savoir faire. Ensuite, c'est sûr, tu mets un petit peu de toi, de ta personnalité, de ce qui te constitue dans tes relations avec les gars d'équipe ou même dans ta relation avec le matériau pierre, si tu veux. Maintenant, c'est sur les finitions. C'est vrai que je suis très pointilleuse, j'aime que mon ouvrage s'assemble parfaitement avec le reste. Donc là, on peut voir une petite touche de féminité. Mais... Et le goût de la pierre me vient du goût pour les monuments historiques. Enfin, j'avais envie de trouver un métier qui avait attrait aux monuments historiques. Et... Un jour, comme ça, un déclic en voyant travailler un pierreux, comme on dit. On n'est pas en relation avec le public, ça, c'est vrai que c'est assez... Il y a un gouffre un peu entre eux et nous, parce qu'ils ne comprennent pas la technicité, la complexité de ce qu'on fait. À part quand ils mettent le nez dessus et qu'ils se rendent compte que pour poser une pierre, eh ben, on est quatre à s'arracher... à la mettre dans le mur. Donc c'est un monde à part, si tu veux. On est le chantier derrière les palissades.